Aujourd'hui, du haut de ma planche, je vais rentrer un. Non, good full pack, double clutch, pixel, camel pack, ma twist, mountain bike, tight surf. No workout. Ce week-end, Talasso va me faire le plus grand bien. Bon, alors, pendant mon absence, tu t'occuperas de l'alimentation de Dagobert. Je compte sur toi, Francky. Tu sais qu'il doit absolument suivre son régime, j'étais clair. Le paquet bleu, c'est pour le matin. Tu peux pas te tromper, il y a marqué sport dessus, c'est pour bien commencer la journée. Et le paquet vert, c'est pour le soir. Tu as compris, bleu le matin et vert le soir. Répète. Bleu le matin et vert le soir. Quoi? Où ça? Eh bien, dis donc, tu as vraiment l'air pressé que je m'en aille, hein? Non, je plaisante. J'ai confiance en mon franconnet. Promets-moi d'être bien sage et surtout, la chose la plus importante, de bien t'occuper de Dagobert. T'inquiète donc pas, mamie. Ok, je suis un ado responsable. Ciao! C'est quoi cette histoire alors? Devine quoi? C'est Zach qui a gagné un concours. 2 jours de glisse de la mort qui tue dans la station de Kstut. Avec largage en hélico sur les sommets pleins de poudreuses. Alors c'est pas de la bombe à neutrons, tout ça wow vous fait. Le train 6512 à destination de Kstut partira voie 13. Kstut, voie 13. Hey, pourvu que ma mamie se rende compte de rien. C'est un plan de ouf que je lui ai fait là. Sérieux. Et en plus, je me rappelle même plus ce que je lui ai laissé comme croquette devant sa niche à ce pauvre dago. Sans blague. Ton train a 1 heure de retard. Sur le fixe. Mais je l'ai pas entendu, je passais l'aspirateur. Du bruit autour de moi. Non, non, je t'assure. Non, c'est la télé. Ils sont en train de passer un docu sur les vacances. Les vieux trains, les gares. Oui, t'inquiète pas, promis ma petite mamie. Allez, fais bon voyage. Oui, ça ride. Moi aussi, c'est ça. Allez, ciao. Ça vous plaît, hein? Vous êtes prêts? Ok, alors accrochez-vous bien. C'est parti! Ouais, c'est trop de la pompe, ce truc! Et non, les gars, vous avez pas l'air dans votre assiette. Et moi qui vous prenais pour les riders de l'extrême, parce que je voudrais pas dire, mais là où je vais vous laisser, c'est pas vraiment pour les petits joueurs. Non, 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 ça va, tout va bien. C'est juste l'émotion, pas vrai, Zach? C'est bonne glisse, les gars! Trop cool! Un nouveau slide du millénaire! Yahoo! Yahoo! Ouais! Wouah! Génial! Comme ça pousse! Alerte! C'est ma mamie! Ouais, bah désolé! Nous, on lag jusqu'à la fin de l'après-midi, mon pote! Alors nous, on continue notre descente! T'auras qu'à nous rejoindre plus tard! Si tu savais comme ça me fait du bien de prendre un peu soin de moi. Je vais avoir une vraie peau de bébé. Oh, Francky, au fait, le fixe ne répond toujours pas. Je suis en train de jouer dans le jardin, là. Je m'amuse avec Dagobert. C'est rien. Je crois que j'ai dérapé sur un nain de jardin. Bravo! Et Dagobert, tu lui donnes bien ses croquettes que des lights, tu entends des lights et rien d'autre! Oui, je sais! Bon, il faut que je te laisse! Gros bisous, mamie! Oui, moi aussi, je t'embrasse! Quelle bande de chacals! Il y en avait pas pour longtemps! J'aurais quand même pu m'attendre! À toi le slide, Francaille! Oh!
moins, les gars. Vu les conditions climatiques, il est préférable qu'on se rabatte sur cet abri là-bas. Un abri? T'es sûr de toi? Parce qu'on va vraiment perdre un max de temps. Le train de retour est juste en fin d'après-midi. Tu préfères finir dans la rubrique des faits divers? Pourquoi? Bon, excusez-nous de vous déranger en plein travail, monsieur, mais nous recherchons un abri à cause du mauvais temps qui se lève. Faut tomber bien. Soyez les bienvenus, chat. Enchanté. C'est ma spécialité. Vous ne pouvez pas refuser mon invitation, messieurs. Ce sont des tripes maison, de bélier et de lapin varzi à la cervelle de porc. Ça va vous faire reprendre des forces, mes enfants. Je n'en doute pas. Ça a l'air vraiment délicieux. Si. Vous m'en direz des nouvelles, c'est plein de protéines. Surtout une fois que j'aurai rajouté cette merveille. Un morceau de fromage de ma fabrication. C'est quand même des petites natures, les chaînes de la ville. Mais toi, tout me plaît bien, fiston. C'est l'horreur. Regarde ce qu'on va être obligé de manger. Non, sans compter qu'on va finir par rater le dernier train si on s'éternise à table. Faut absolument qu'on parte d'ici au plus vite. Alors, les demi-portions, on fait grève dès la fin, mes biquets. Mais non, ça doit être l'émotion ou l'altitude. Ils adorent ça, en fait. Hein? Quel bonheur, mon Francounet. Il faudrait vraiment qu'un jour tu essaies. Tu ne peux pas t'imaginer le bien que ça me fait. J'ai l'impression d'avoir retrouvé mes 20 ans. Oh, bon garçon, pourquoi est-ce que le fixe ne fonctionne toujours pas? Il est en dérangement. C'est pareil dans tout le quartier. Tout va bien, mamie, t'inquiète pas. J'ai passé l'aspi, la vaisselle est faite. La maison est nickel. Et là, je crois que je vais... Parfait. Et Dagobert, comment va-t-il? Tu lui donnes bien les bonnes croquettes, au moins. Oh, passe-moi 5 minutes. Il me manque terriblement. C'est rien, mamie, c'est rien du tout. Il vient juste d'avaler une croquette de travers. Allez, bisous, c'est l'heure de sa promenade. Monsieur Jacques, ne le prenez pas mal, mais ma grand-mère ne va pas tip-top. Les médecins lui ont trouvé une asphyxie de la hanche. Il faut qu'on file direct à la gare, vous comprenez? Oui, c'est vrai, c'est urgent. Quelle journée! Il faut surtout pas qu'elle reste toute seule. Vous n'allez pas partir sans avoir fini vos assiettes, tout le monde. Non! Faites attention aux crevasses de la vallée du diable! Quoi? Qu'est-ce qu'il vient de dire? J'en sais rien, j'ai rien compris, laisse tomber! Je me suis riqué. Allez, on a plus beaucoup de temps. À nous la raille. Hey, attention, barre rocheuse. Suivez-moi. Non, stop, non. Tu parles de chute? Enfin, je crois qu'on est vivant, les gars. C'est le principal. C'est vrai, quand on y pense, on a vraiment du bol sur ce coup-là, non? Quoi? Du bol? D'abord, on manque de se faire dévorer par l'eau tiétie. Ensuite, tu nous fais tomber dans une crevasse de la mort qui tue. Et maintenant, on est coincés là comme des amateurs avec nos radios carrément explosées. T'appelles ça du bol, toi? Il suffit d'appeler avec mon portable. Dans même pas 10 minutes, les secours sont là. Et on est tirés d'affaire. Ah, si j'étais pas là... Si t'étais pas là, on serait pas tombé, pauvre cloque. Cool, les gars, cool, hein. C'est pas le moment de gaspiller de l'énergie. L'attente risque d'être sacrément longue, alors du calme. Allô, je suis bien au centre de secours, à Axtut. Plus de batterie, désolé. Ma grand-mère va me pulvériser, c'est clair.
Écoute, je voudrais pas te mettre le moral dans les chaussettes, mon pote, mais tu sais, ta grand-mère, il y a une chance sur 1 million pour que quelqu'un vienne nous chercher ici, alors... C'est vrai, et si ça se trouve, on sera peut-être obligé de sacrifier l'un d'entre nous pour pouvoir se nourrir. Ouais, ben non, ce sera pas moi. Regardez-moi, hein, j'ai pas 1 gramme de graisse, ni de muscles, j'ai que la peau sur les os. Les miens sont microscopiques, le reste c'est du cartilage, et ça c'est pas vraiment le top pour survivre dans un froid de canard. Par contre, toi, Ben... Ben ! Non mais, oh, ça va pas, non ? Vous n'allez pas manger, les gars, quand même ! Tu sais, Ben, dans la vie, faut aussi parfois savoir se sacrifier. Oui, tu vois, c'est ça aussi l'amitié. Que dalle, oui ! Hein ? Le dernier signal qu'on a réussi à capter provenait d'un portable qui a été localisé dans ce coin-là. C'est pile poil dans les crevasses, là, en dessous de la vallée du diable. C'est vraiment bizarre. Ça fait des heures que j'essaie de te joindre, mon franconnet. Et tu ne te rends pas compte, je me suis fait un sang d'encre. Mais non, mamie, y a rien de grave. Je te dis, j'avais juste oublié de charger mon portable. Bon, très bien, à tout de suite. Dépêchez-vous, les gars, elle arrive. Allez, vite. Dommage, je vais faire atomiser. Tu pourrais me dire où tu étais? Ouh, qu'est-ce que c'est que cette histoire? En fait, c'est très simple, mamie Mounette. Je vais tout Mon Dagobert! Oh, mais qu'est-ce que tu lui as fait? Mais c'est pas vrai! J'attends tes explications et vite! Mais avant tout, jeune homme, tu es puni! Tu entends privé de sortie pendant 1 mois! C'est toute leur faute, mamie. Ils m'ont obligé. Je voulais pas y aller, moi, avec le Hackstut. Quoi ?